Bonsoir tout le monde et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR. Et cette fois-ci, je vais suivre les conseils de quelques personnes qui m'avaient conseillé en commentaire d'utiliser le même angle de caméra pour une nouvelle ouverture de carte Pokémon, mais en utilisant le H4N. Mais pas forcément devant la caméra. Et il est vrai que c'est une excellente idée. Alors, pour ce soir, je vais vous présenter la Pokébox Pikachu X. Bon, bien entendu, cela fait deux ouvertures de Pokémon à la suite. Mais Rumi voulait absolument savoir ce que contient les boosters de cette Pokébox. Donc, elle était impatiente. Et puis, moi aussi d'ailleurs. Tu m'étonnes que des personnes tombent dans le plaisir de déballer des cartes Pokémon, à savoir s'ils vont récupérer des cartes rares, des cartes très rares, des cartes ultra rares ou des cartes merdiques. Alors, nous allons ouvrir ça tout de suite. J'espère qu'au niveau de l'angle de vue, ça vous convient parfaitement. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Je pense que je verrai mieux. Voilà. Comme ça, c'est nickel. En plus, je peux parler correctement. Alors, j'ai bien entendu. La paire de ciseaux qui va bien avec. Allez, on enlève le cerclage. Maintenant, on va enlever le plastique. Alors, comme ça, c'est très bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, cette Pokébox contient une carte brillante spéciale Pikachu X, comme on a pu le voir, 4 boosters ainsi qu'une carte de code pour débloquer un deck jouable dans le jeu de cartes à collectionner Pokémon Online. Voilà. Alors, nous allons ouvrir ça tout de suite. Nous avons la carte Pikachu X juste ici. Avec Queue de Fer et Maxi Étincelle, enfin Max Étincelle plutôt. Je la trouve assez classe. Alors, est-ce qu'on peut voir correctement si je me mets comme ça par rapport au focus? Attendez. On va se mettre plutôt comme ça. J'espère que le focus est bon là. Voilà. Alors on va enlever les cartes maintenant. Et voilà, paquet. Trois
cette fois-ci avec les boosters évolution XY. Alors, voyons voir. Quelle carte renfermes-tu ? Je les ouvre. Ouh, une
foulard avec son corps Genesex, enfin Genesect, pardon, eh bien, je peux dire que j'ai un très bon tirage de booster de foulard, dont un méga. Voyons voir, qu'est-ce que je vais avoir pour ce dernier booster? Ouais, je peux tomber sur de la merde. C'est un petit peu le bordel ici, mais c'est pas grave. Alors, tac, nous allons faire la petite tactique. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, juste là. Et voyons voir ce que nous avons pour ce quatrième et dernier booster. Nous avons Juge Mur. Un peu bravo. 60 PV. Ici, nous avons encore un Chachidou avec un autre artwork. Nous avons un Doudou fait 50 PV avec la capacité Vent Féerique. Ouais, bon, du Cléo juste là. Encore un Vos Tourneau. Et ici nous avons un Gabuto. Gabuto. Ammonita. Ammonistar. Encore une Terre Brûlée. Et ici nous avons. Ah, c'est déjà. C'est assez joli ça. Gabutops à 150 PV. Reverse. Et la dernière, c'est en fait. C'est en fait un Sulfura. Avec un design assez simpliste, mais efficace. En tout cas. Ce qu'on peut dire, c'est que dans cette ouverture de booster, j'ai pu vraiment tomber sur des excellentes cartes. En tout cas, je me demande ce que vous pensez, vous, de cette ouverture de Pokébox Pikachu X. Mais en tout cas, je suis tombé sur des excellentes cartes. Bon, ça, c'est la carte promo, donc c'est la carte habituelle. Mais juste ici, une méga Tortank X ainsi que Genesect X. On peut dire que j'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là. Ah là là, j'en connais une qui va être contente. Hop là. Allez, on met ces cartes juste ici. On va mettre tout ceci dans la poubelle avant d'aller dormir. Hop là, les cartes sont juste ici. Donc j'en ai eu pas mal. Dresseur, dresseur. C'est pas mal, dresseur. J'espère en tout cas que ça a mieux marché cette ouverture avec le Hachiatren juste devant moi. Et je vais garder cette tactique pour les ouvertures de collector. Parce que ça va nettement mieux, surtout au niveau de la voix et des chuchotements. En tout cas, moi je préfère ça comme ça. Puisque comme j'ai le casque directement, et ben je peux écouter correctement ce que je dis. Je ne vous embête pas plus longtemps. Il est l'heure d'aller au lit. Et puis je vais me regarder la suite de Breaking Bad.